Le petit animal qui se trouve sur ma main, c'est une rainette versicolore. C'est une grenouille qui habite normalement les forêts du Québec, mais celle-ci a une histoire un peu particulière. À l'automne passé, il y a quelqu'un qui a rentré sa plante dans sa maison. La rainette, elle se trouvait à être dessus. Il l'a trouvée au mois de février, puis il a décidé de la donner sur Kijiji. Un de mes amis, qui s'appelle Yann-Éric Grandmont, il a décidé d'aller chercher la grenouille parce que ça n'a pas d'affaire sur Kijiji, puis il nous l'a apporté. Je l'ai donc appelé Démétane Grandmont. Puis Démétane Grandmont, au mois de février, là, il y avait 4 pieds de neige dehors, puis il faisait moins 40. C'est pas un bon plan de la remettre dehors. Puis maintenant qu'elle est habituée à la captivité, ben on croit que c'est plus justifié de la garder au zoo pour s'en servir comme animal ambassadeur, puis présenter les magnifiques rainettes qu'on peut avoir au Québec. Elle mange des insectes, elle mange super bien. Hein, chérie? Check la bonne petite larve. On peut voir l'intérieur de ses pattes qui sont toutes jaunes. Oups. Les rainettes versicolores, ils vont passer du gris au brun au vert. C'est l'origine de leur nom. Si vous aimez les actions qu'on fait pour ce genre de petites créatures-là, je vous invite à faire des j'aime en dessous de la vidéo, suivre Monsieur Reptile sur Facebook, puis vous abonner à notre chaîne YouTube. T'as-tu fait un kick, toi?